Bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo aujourd'hui à côté nous pour tout ça qui a dominé l'actualité football là pour côté nous gagner équipe Real de Madrid en 2021 qui a préparé un marché en or côté il y a beau fruit tête les trois français selon journal ça. Mais nous gagnons ça qui concerne les pays l'Espagne mais définitivement semble que agent Lautaro Martinez qui est dans la ville Barcelone pour négocier un nouveau contrat avec l'équipe FC Barcelone. Dans le pays l'Italie nous gagnons Higuain lui-même qui t'a semblé résilier contrat avec l'équipe Juventus et Luis Suarez qui va rentrer selon journal ça. Nous gagnons un pays l'Angleterre, mais l'équipe Chelsea qui refusait une offre XXL que l'équipe Inter de Milan a fait pour N'Golo Kanté. Nous allons parler de ça dans la vidéo. Ça. Nous gagnons toujours un pays la France, mes amis, mais l'équipe Paris Saint-Germain qui perdu face à Lens, un goal à 0. Donc l'équipe ça qui va vraiment tomber. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football. La pas bien, mes amis, si vous regardez la vidéo, ça t'a vu, un annonce YouTube va passer, rendez-nous service, quittez le passé. Nous allons observer un petit coup de pause dans tout le temps de la prochaine avec plus de détails. Donc, commencez à revivre dans le pays de la France avec l'équipe qui mettait à la une le Paris, un petit problème. Le Paris Saint-Germain privé de 7 joueurs majeurs s'est incliné pour son match de reprise. Les Lensois ont su exploiter une erreur du jeune gardien parisien Marcin Bulka pour délivrer leurs 5000 supporters. Définitivement, l'équipe Lensois qui a gagné 5000 supporters dans le stade, mais l'équipe Paris Saint-Germain pas arrivé à mettre de la terre. N'a pas bloqué l'équipe Paris Saint-Germain, ça qui a gagné plusieurs joueurs qui étaient absents, c'est une capacité Keylor Navas, Neymar, Mbappé. Donc, il y a 7 joueurs au total qui étaient absents pour Paris Saint-Germain. Et bien, pour côté par le journal, le Parisien lui mettait à la une le champion déjà au tapis. Diminué par l'absence de 7 joueurs touchés par le coronavirus, le Paris Saint-Germain s'est incliné contre une équipe linsoise opportuniste. Paris va devoir se remobiliser avant le choc contre l'Olympique de Marseille programmé dimanche. L'équipe Paris Saint-Germain qui doit faire coûte que coûte pour qu'elle vienne contre un grand rival dans le pays de la France, c'est Olympique de Marseille, dimanche si Dieu veut, qui va le venir là. Et les amis, comment ça nous Ignatius Ganago, lui-même qui a profité d'un grave erreur de gardien pour mettre le ballon dans le camp à la 57e minute de jeu. Donc, quitter le pays de la France, on peut aller directement dans le pays l'Angleterre avec Daily Mirror qui mettait à la une Marcelo Bielsa renouvelé avec l'équipe Leeds United là. Et bien, qui était monté avec l'équipe dans la première division, il parle pour faire premier match face à l'équipe Liverpool là, qui parle venir dans la semaine ça. Et Marcelo Bielsa qui déclare que Leeds est ma maison. Lui-même qui d'accord là, il y a un deal de 6 millions de livres sterling. Donc, c'est vraiment un bon deal pour Marcelo Bielsa. Et bon, côté par le journal The Guardian sur site internet, il a mis à la une que Chelsea lui-même rejeté une offre de Inter de Milan pour N'Golo Kanté. L'équipe Inter de Milan qui était offre soit Brozovic avec Christian Eriksen en échange pour le camion de service international français. Mais quand même, journal là qui fait connaître qu l'équipe Chelsea qui vraiment refusé offre si là. Et bien, selon le journal ça, mais Antonio Conte lui-même qui fait de Conte, ils ont vraiment une priorité pour lui. Et vous-même qui êtes fanatique football, est-ce que vous pensez que Chelsea pas supposé refuser offre si là? Mettez opinion pour nous en commentaire. Juste avant que nous fassions plus dans la vidéo, ça, mes amis, quittez nous remercier chaque monde qui est en mettant un like en bas de la vidéo et qui est en partager, qui est en abonner, etc. Et pas oublier, mes amis, si vous voulez ça, qui soit apte de mettre un like pour nous en bas de la vidéo, ça, ça va vraiment encourager nous porter plus de vidéos pour vous. Et pas oublier, mes amis, si vous voulez ensemble avec nous, bienvenue dans la famille, ça, cliquez sur le bouton rouge de la vidéo pour abonner et activer la cloche de notification, mettez sur tout, comme ça, vous recevrez toutes les prochaines vidéos que nous pourrons mettre. Donc, quitter le pays l'Angleterre, nous allons directement dans le pays Portugal avec Jona Abola qui mettait à la une des étoiles pour briller dans la Champions League. Mais définitivement, l'équipe Benfica qui parle pour le déplacer, pour aller sur le terrain, l'équipe Paroc là, mais définitivement, mardi qui parle venir là, donc il parle pour mettre toute étoile que l'acheter. Yo. Et bien, le journal qui argumente que Jorge Jesus qui s'est entraîné l'équipe Benfica, il est tout nouveau recrut. Donc, nous allons prendre Everton, Cebolinha, pourquoi pas Everton Gain et avec Pedrinho, etc. Donc, c'est environ 6 joueurs que fait cacher que le poids aligné pour l'équipe Benfica pour rester avec une qualification directe pour la Ligue des Champions. Toujours dans le pays Portugal, mais le journal record limité à la une des déclarations de Everton Cebolinha. Nous connaissons qu'il y a une révélation dans le Coupe América qui se passe à là. Mais monsieur qui rejoint l'équipe Benfica et qui fait qu'on est que livré grave non li dans l'équipe ça, dans l'histoire club là. Jeune prometteur brésilien, ça lui fait qu'on est que l'équipe Benfica pour arriver très très loin dans la Ligue des Champions. Et n'importe quel couple est arrivé à remporter avec l'équipe Benfica la tatouée la sous colli. Et vous-même, mes amis, qui sont passés de l'équipe Benfica qui a apporté pendant la saison, ça, mettez opinion pour nous en commentaire. En quittant le pays Portugal, nous parlons directement dans le pays l'Italie avec Juna Gazda de Sport qui mettait à la une Igua à route Suarez in. Mais définitivement, Argentin qui était d'accord pour qu'il résilier le contrat avec l'équipe Juventus de Turin, soit en fait de 50% salaire qu'il était arrêté. Mais monsieur qui a débarqué dans l'équipe Inter de Miami à côté de Blaise Matuidi qui est en rejoint l'équipe ça. Mais définitivement, Higuaín même c'est fini avec l'équipe Juventus, ça c'est le journal Gazda de Sport.
Et bien, c'est numéro 9, équipe Salim, il sorti. Qui est-ce qui peut remplacer selon journal ça? Et bien, c'est Luis Suarez. C'est vrai qu'un pile l'autre journal fait qu'on est que Luis Suarez tabac équipe Atlético de Madrid la priorité pour capable aller au lieu d'équipe Juventus là. Mais quand même, selon journal Gazette de Sport, et bien, c'est Luis Suarez qui peut remplacer Higuain. Toujours dans le pays d'Italie, le journal Tuto Sport qui mettait à la une Juve, c'est une bombe à la dans lui-même l'illumé. Mais définitivement là, donc c'est une course contre la montre pour l'équipe Juventus là pour capable jouer numéro 9 mettre dans l'équipe ça. Il fait qu'on ait dossier Luis Suarez là qui peut jamais fermer et Dybala qui peut à 100% pour retourner jouer avec l'équipe Juventus là et qui peut gagner pour le jouer pendant la semaine qui peut venir là. Donc c'est une course contre la montre pour l'équipe Juventus là qui peut gagner pour aligner une attaque et on a pensé un Kulusevski avec un Cristiano Ronaldo. Il y a un bar qui vraiment grave pour l'équipe Juventus là qui veut chercher un numéro 9 avant saison à commencer. Bon, côté par l'île dans le pays d'Italie, collègue de sport qui mettait à la Union tremblement de terre dans la Serie A. Mais De Laurentiis, qui est président de l'équipe Napoli, a eu une rencontre avec tout l'autre président et puis après ça, il vient tester positif au COVID-19. Ça qui va y avoir une inquiétude dans le pays d'Italie, côté obligé d'isoler tout président club qui était dans la réunion. Et même là, ça qui mettait trois informations mercato à la une. Quand on parle de agent Lautaro Martinez qui allait dans la ville Barcelone pour négocier une dernière tentative avec l'équipe FC Barcelone. Et nous avons encore Higuain qui quitte définitivement l'équipe Juventus de Turin selon journal ça. Et pourquoi pas Fiorenzi, lui-même latéral droit de l'équipe AS Roma qui débarque dans l'équipe Paris Saint-Germain. Et l'autre nouvelle encore, c'est international uruguayen Diego Godin qui quitte l'équipe Inter de Milan qui a signé avec l'équipe Cagliari dans le pays l'Italie. On quitte le pays l'Italie, nous voyons directement dans le pays l'Espagne avec Journal Sport qui mettait à la une Pjanic déjà là. Mais il y a Pjanic qui était supposé rejoindre l'équipe Barcelone depuis un mois d'août qui s'est passé là, mais pas capable suite de tester positif avec COVID-19. Mais lui, il était obligé de passer quarantaine jusqu'à ce qu'il guérit et définitivement il rejoint l'équipe FC Barcelone. Lui, il rejoint l'équipe ça et il a fait test PCR, donc il va commencer à entraîner avec l'équipe ça. Et Pjanic qui déclare que les vignes qui passent Barcelone c'est pour gagner un pile titre. Et il est vraiment content pour qu'il connaisse tout l'autre joueur qui fait partie de l'équipe là. Et bien tout selon le journal ça, Ronald Koeman qui est prêt là pour changer le système tactique qui a joué FC Barcelone. Donc la question que tout le monde a posé c'est quel nouvel système tactique Koeman va utiliser avec l'équipe ça. Et bien réponse avec question ça c'est demain si tu veux pour qu'on commence à aller dans le match Barcelone face à Gymnastique dans Union dans les pays d'Haïti. Toujours dans le pays d'Espagne, le journal Mundo Deportivo qui mettait à la une les entrées et sorties. Mais nous avons Pjanic qui rentre dans l'équipe FC Barcelone et qui va faire test PCR pour commencer à entraîner. Et dans la semaine qui va venir là pour faire présentation de l'équipe FC Barcelone. Mais quand même, Jonas qui fait qu'on ait plusieurs sorties là, mes amis, surtout Arturo Vidal qui suppose quitter l'équipe en jour qui va venir là et pourquoi pas Luis Suarez. Mais l'équipe FC Barcelone qui a une douzaine de joueurs selon Jonas qui est supposé libérer pour libérer ma salariale qui est dans le club ça. Et bien, c'est le Jonas qui a une douzaine de joueurs qui attendent destiné donc qui peut stable dans l'équipe FC Barcelone. N'a pas bloqué Juventus de Turin, Atlético de Madrid vraiment intéressé avec Luis Suarez et rien Inter de Milan qui vraiment intéressé là donc pour qu'il y ait un service Arturo Vidal. Toujours dans le pays d'Espagne, ça qui vraiment concerne l'équipe Real de Madrid, la journée AS mettait à la une 2021, c'est pral pour eux. Et bien, il y a Camavinga, Mbappé et pourquoi pas Upamecano qui t'a supposé débarquer dans l'équipe Real de Madrid en 2021 là. Sinon, journal AS, mais trois Français, ça t'a supposé débarquer dans l'équipe Real de Madrid en 2021. Et bien, Real de Madrid qui va profiter de crise financière qui va passer dans toute le club là pour acheter trois jeunes pépites ça yo. Donc, il y a Camavinga lui-même qui gagne 17 ans seulement et il y a Mbappé qui gagne 21 et Upamecano qui gagne 21. Mais quand même, bon côté par le journal, Maka lui mettait à la une que Paris Saint-Germain lui entre dans la lutte là pour qu'il y ait un service jeune Pepita lui-même qui c'est Eduardo Camavinga. Et bien, le journal qui mettait à la une un bras de fer entre le Real de Madrid avec Paris Saint-Germain pour Eduardo Camavinga. Mais monsieur là qui vraiment gagne un pile talent donc qui t'a supposé débarquer dans l'équipe Real de Madrid, nous souhaitons faire un assaut pour lui déjà, mais l'équipe lui a été vraiment refusé. Et bien, n'a pas bloqué l'autre club qui est intéressé avec lui toujours tant que Bayern de Munich. Mais définitivement, monsieur qui débat priorité avec l'équipe Real de Madrid là, à cause de Zidane. Et vous-même qui regardez la vidéo, ça, est-ce que vous pensez que Real de Madrid a besoin de 3 Français et en 3 Français, qui est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends tous les 3 ou vous n'avez pas une priorité? Mettez opinion pour nous en commentaire. Et nous continuons avec une très bonne nouvelle pour Neymar Junior lui-même qui commémore le retour dans l'entraînement avec l'équipe Paris Saint-Germain. Nous connaissons la semaine qui était passée là, Neymar Junior qui était testé positif avec un COVID-19 et mais définitivement monsieur qui est négatif qui est retourné entraîner. Et bien Neymar Junior qui annonce ça sur son compte Twitter, il a mis à la une, moi retourné jouer football, moi retourné entraîner, vraiment content. Ou pas il taonne, donc c'est ça qu'il a mis à la une avec un hashtag Corona Out. Juste avant que nous allons quitter, nous remercier chaque monde qui regarde la vidéo, ça arrive jusqu'à la fin. Et pas oublier mes amis, juste avant, allez partager la vidéo ça au maximum que capable avec tous les amis qui aiment le football.
Pas oublier sous déblier fait ça mettez un like en bas vidéo ça va vraiment encourager pour nous porter plus vidéo pour vous et souvenir ensemble avec nous invitez vous cap cliquer sur bouton j'ai vous cap abonner et activer cloche notification. Quand on a à la prochaine pour la vidéo que bon Dieu bénisse. Pas oublier mes amis football là passer toute bagarre ça passer c'est dans nous cap préparer dans nous pour retourner ça sont bagarre qui essentiel parce que nous qui joue nous venir par contre qui joue nous pour aller.